Bien au coup les gars, c'est Nation. On va commencer la Dabo, on attend encore quelques connexions et c'est parti. Ok, on va commencer avec Super Lançois les gars. Wow, ça devient le bordel. Il a invité, donc on va quitter ce bordel. Vite, vite, vite. Hey, bonsoir. Yo. Pour ceux qui veulent changer de sexe, de personnage, passer de fille à garçon ou l'inverse, vous allez dans Style et modifier l'apparence les gars. Normalement il y a ça, là j'arrive pas à voir mais il me semble que c'est ça. On peut le faire pour 100 000 $, je crois, un truc comme ça. C'était la petite info vite fait. Parce que la dernière fois, j'en ai parlé avec un gava et du coup, voilà. Ça m'a fait penser, je me suis dit, on sait jamais, ça peut peut-être aider. Allez, go! C'est vrai que... Ah, on est quand même 24 dans la session. Ça me fait un peu peur, il y a des mecs très très haut niveau. Il y a des gens qui se battaient, déjà, dans la session quand on est arrivé. Bah vas-y, il est sur son iPhone à poil. Vas-y, continue. Je me demande où il le range. C'est la question. Alors... Du coup, ouais, il y a... C'est ma voiture, là-bas. Je sais même pas pourquoi... Attends, c'est où? Ouais, j'y vais en voiture alors que c'est super loin. C'est de l'autre côté du lac. Bon, bah, ils ont déjà chopé les hélicoptères. Voilà, excellent. Non, je voulais juste me... Le gros Jackie, quoi, il se débarrasse de sa voiture comme ça. Non, en fait, je voulais juste appeler une moto, c'est tout, mais bon. C'est quoi, on va monter avec Yo-Yo parce que voilà. Ils ont déjà pris tous les hélicos, je vais servir à rien. Puis il y a des gens, il y en a un en avion de chasse, pas mal d'oppresseurs, donc pour la couverture ça va. Ouah, c'est de la livraison en pleine ville quand même. Hein. Là pour l'instant tu vois, à partir de, on va dire cette ligne là, c'est le nord de la ville et dans le nord il n'y a rien, vraiment on est les seuls. On a un petit peu conquis la map dans le nord, mais dans la ville c'est pas du tout pareil. Il y a de la Deluxo, il y a des crews, enfin il y a des clubs, là il y a un club avec un hélicoptère, ça va être... ça peut être dangereux, déjà le mec en Deluxo il va être tenté Oula, je le sens pas. Non, il s'est mis en invisible. Non, on est mort, c'est sûr. C'est sûr, c'est pour exploser l'hélicoptère. C'est qui? Attention, une team rose qui arrive tout droit vers nous. Ouais, le mec invisible il a quitté la partie, magnifique. Ça me soulage d'un poids là. Là par contre il y a les roses. Attention, n'attaquez pas. Restez sympa. Wow. Là il y a eu des tirs. Red... Ah non, c'est Red Game, il a tué un mec. Ça craint. Bon là il y a eu un kill collatéral, là, Super Lanceau, il a tué un gava. Par contre les roses ça craint. On leur a déclenché une guerre là. On a tué en premier. Je sais pas si Red Game il... Bien joué l'esquive, wow. Yo-Yo, ça c'était magnifique ça. Et je disais, je sais pas si Red Game, ils t'ont attaqué en premier, mais si c'est toi qui les as attaqués en premier, c'est pas très bien joué parce que ça a déclenché une grosse guerre, je pense. Même le vert qui est là, ils s'en mêlent. Ouais, bah le vert, il est contre nous, les gars, regardez, il est là. Bien joué. Il l'a eu. Vas-y, je sors. Je sors, y a pas le choix, vas-y, je vais me faire les roses, tant pis. Un kill. J'ai tué le même mec encore, en fait. Il est AFK, je crois. Il a quitté. Bon, bref. Je suis désolé, les roses. Au cas où. On sait jamais si un jour il voit par hasard la vidéo, je sais pas. Je suis désolé. On voulait pas du tout se battre avec vous ni vous tuer. Ils ont quitté. Par contre, il y a le vert. Et le vert, par contre, il est pas content. Hein. Vraiment, il stoppe. Eh, beau gosse la voiture, le sanguinaire. C'est ce qu'on appelle une bonne défense, hein. Regardez, on a foiré aucune vente. Il en manque plus qu'une. J'arrive! Dernière livraison, on veut tous y assister. Bruh. Non, quelle daube! Mais quelle daube! Quel pâté! Heureusement qu'on a 20 minutes, hein. En fait, c'est quoi, attends. Je comprends pas, est-ce qu'il m'a laissé l'hélicoptère pour livrer ou est-ce qu'il a un bug et il arrive pas à livrer? Alors, c'est celui-là. C'est cet hélicoptère-là. Et on me dit que ça bug. Je crois que c'est bon.
Bah non, regardez, c'est vrai, ça bug vraiment, il a largué le colis, mais ça a pas marché. Attendez, je vais m'éloigner et revenir. Par contre, il y a... Oh, merci Gogot, il a tué le mec en avion de chasse. Parce qu'il était... Ouais, il m'aurait pété là, sinon. Oh, ce bug. Ça me choque, là, attends. On va le déposer à terre. Et on va changer de pilote. Faut retester ça, parce que là, il y a un souci, là. Allez, je l'ai largué là, sa race. Accepte-le. Regarde, ça veut pas, ça fait le troisième colis qu'on largue. Je suis dégoûté. On commence tellement mal. Oh, oh là là, l'arnaque. 14 sur 15. Alors là, vraiment, je comprends pas. Ok, bon, bah il m'a dit ça va, c'est pas grave, il a quand même gagné pas mal d'argent. Donc voilà, c'est pas trop chiant. On est quand même tranquille sur ce toit. On est vachement bien. J'ai rejoint quoi moi? J'ai rejoint un club. Ouais, celui de Gogot. Il y a toujours le vert qui nous cherche la daube. Ah, il a mis un GPS Gogot. Allez, c'est parti. Allez, on y va, on va se rendre. Bon, il va nous inviter de toute façon, mais je préfère me rapprocher quand même. Au passage, The Beast est dans la session. Donc je te remercie encore une fois pour le... Le Defenders 10, c'est vrai qu'on l'a souligné dans les commentaires aussi. Il y en a pas mal qui ont dit franchement GG à toi et à Med, les deux qui ont réussi à me rejoindre, qui m'ont défendu. Donc voilà, merci mec. C'est un super soutien de ta part dans ce Defenders. D'ailleurs les gars, il y a un gars du Defenders, un ennemi qui a commenté la vidéo et qui a dit GG. Donc voilà, tu vois, il dit GG. Donc pas de soucis, c'est fair play. Même si je trouvais que c'était... pas très fair play pendant qu'on jouait quoi, mais bon ils m'ont dit GG, ils sont pas venus insulter, donc voilà, c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Ils kiffent trop faire ça. Les gars, stop là, ça devient relou de vous entretuer là. Il y a The Beast qui est là, tout le monde, enfin pas mal d'entre vous s'amuse à lui tirer dessus là. Il est avec nous hein. Il est peut-être pas marqué en crew, mais bon, c'est, je sais pas, vous avez bien vu, c'est lui qui m'a aidé en Defenders 10 dans plusieurs vidéos, il y est. Si vous avez suivi un minimum, vous savez qu'il est avec nous, quoi. Faut pas le tuer, les gars. Ah, il a lancé la vente. Ma moto... Oh, attends. Il y a des Monster Trucks, là. Ah, bon, on la connaît, cette vente, maintenant. Ok. J'ai pas réussi à en attraper un. Oh, il s'est fait écraser. Oh. Bon, on est pas mal, là. Hein. Vraiment, on est tous collés. C'est sûr, les gars, je reconseille encore une fois, quand vous m'ajoutez en ami, il vaut vraiment mieux... rejoindre le crew et le mettre en principal, parce que vous pouvez avoir votre crew ou n'importe lequel autre, s'il est pas en principal le mien, et ben les autres du crew ils le verront pas et ils vous prendront pour un ennemi parce qu'ils vous auront pas forcément en ami. Donc voilà, c'est un conseil vraiment, si vous m'ajoutez en ami et que vous mettez pas le crew NGT en principal, ils vous verront pas et ça peut partir en guerre pour rien du tout. Bonjour. Ouais, je suis perdu dans la forêt. Oh attends, je veux... Y'a quelqu'un? Ah ouais, merci. Bon bah tout se passe bien hein, pour l'instant. La petite balade continue. Salut à Jess, nouvel abonné qui est arrivé il y a pas longtemps et qui est dans la session. Il y a quelques déconnexions, on a perdu deux gava là, ils sont déco. Mis à part ça, ça va, il nous reste plus que... Bah c'est nous, on a la dernière vente, la dernière livraison pardon, et on a fini. J'espère qu'il y aura pas un bug cette fois. Et voilà, petite cinématique encore une fois. Bien joué les gars. Bien joué à tous. Petite Sanchez en cadeau. Oh les gars, regardez. À gauche, la proposition de mission. C'est en double récompense les missions les gars. Donc ceux qui aiment les missions, bah, profitez-en un max. Hein. Enchaînez-les. Un max de thunes. Ah ça, ça mérite un gavagang en mission franchement. Eh les gars, The Beast, il a des voitures modées, mais un truc de fou. Regardez les la taille des roues de sa remorque. Merde, ça a bugué, regardez. C'est un truc de fou, non? Il se met en passif parce que vous lui tirez dessus. Voilà pourquoi. Bon, à ce que je vois, il n'y a plus de vente. On est beaucoup, on a une tonne, mais personne n'a de vente. Donc, j'ai proposé à tout le monde, déjà qu'on se calme dans mon bureau, parce qu'il y avait trop de bordel. Donc là, on ressort après 10 minutes dans le bureau à peu près. Et... Du coup, j'ai proposé à tout le monde vente de véhicules. Pas beaucoup, hein, vraiment. Il faut pas qu'on fasse les ventes de tout le monde parce qu'on n'aura jamais fini.
On va en faire quelques-unes pour la vidéo. Ok. Il y a un mec qui s'amuse à nous tuer là. On va pas être d'accord. Ah, il m'a eu. Allez, vas-y toi. Bah, il a quitté la partie le mec. Heureusement j'ai réussi à le tuer une fois avant. Bref, j'ai une idée. Parce qu'on est tellement que ça va peut-être faire des jaloux si on lance la vente de quelqu'un. Au hasard, et je suis sûr que tout le monde a des ventes en plus, donc tout le monde va vouloir les faire. Si je lance... Attendez, je vais voir déjà si j'en ai. Mais si je lance les miennes... Ça devient compliqué, hein. Dès qu'on ressort, c'est le bordel. Ça devient compliqué, les gars, les adabos. Hein. C'est vraiment très très chaud. Ok, on va voir si j'ai des véhicules. Si j'en ai, on va lancer mes ventes. Parce que au moins, parce que je sais que ça va foirer, vu le monde qu'il y a, je pense qu'on va me rentrer dedans. Donc voilà. Je pense que les voitures vont être abîmées. Au moins, ce sera pas une vente d'un abonné qui sera foiré. On fait pas une adabo, on fait une aide nation à la fin là. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. C'est le crew, hein. Le crew, plus on est, plus c'est le bordel. Parce que y a pas tout le monde qui peut se tenir tranquille en fait. Il y en a, ils ont besoin de tirer partout, prendre des véhicules armés, de tout défoncer autour. Ils peuvent pas, tu vois, rester tranquilles certains, donc c'est chaud. Ok, j'ai de la voiture. Ouais, de toute façon, on le voit. En plus, j'arrête pas de recevoir des messages, tout le monde se plaint de tout le monde. Il saoule un tel, il fait chier un tel. Il y en a plein, hein. Vous êtes nombreux à avoir dénoncé quelqu'un. Mais vu le bordel qu'il y a, tout le monde se fait chier entre eux, quoi. Vous faites tout chier entre vous, donc c'est normal. Mais moi, hein, ça me faisait chier, tout le monde m'écrasait, me tuait et tout. Et regardez, ça continue. C'est sûr qu'après tout le monde se plaint des gens. Et là je peux rien y faire, c'est parce qu'on est beaucoup, on peut pas contrôler tout ce groupe là. Faudrait que tout le monde se tienne à carreau, mais personne n'en est capable. Regardez-moi quand je me balade avec vous, vous me voyez sortir des armes, tirer partout, non? J'essaie juste d'attraper un véhicule pour aller à un endroit, mais avec tout le bordel que vous foutez, bah j'ai du mal. Ça devient compliqué hein, les ZABO avec vous. Ok, let's go, je me sacrifie. Non, c'est pas un sacrifice. C'est parce que voilà, je fais jamais mes ventes. Depuis un très très long moment, depuis qu'on a commencé les ZABO, j'ai pas fait des ventes à moi. Et en fait, je l'ai fait surtout parce que comme dehors c'est le bordel, je sais que ça va foirer. Il y aura des véhicules défoncés, donc moi je m'en fous, c'est pas grave. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire vos ventes à vous. Donc je sais que ça va foirer, alors on va pas tenter les vôtres. Ça, c'est mort. On va faire les miennes, moi je m'en fous complet. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, on va mettre elle est stylée. La Reaper, je la kiffe, en plus elle est toute... ouais, elle est vraiment stylée. Oh tiens, une 900R, j'aime bien aussi. On a une FMJ... non, attends. Une T20, tiens, vas-y, une T20. Et une haut de gamme, allez, une haut de gamme. Une 811, vas-y, c'est parti. Allez, go pour 337 000 dollars. J'ai la Reaper. C'est parti. Je l'ai fait belle, elle va être détruite en moins de deux. Ils m'attendent dehors là, je sens que c'est le bordel dehors, ça va être chaud. En fait là, la mission c'est d'esquiver le crew. Attention les gars, tenez-vous prêts, tracez, on s'en fout là, vraiment on s'en fout. Tracez, ne freinez jamais, faut qu'on esquive, faut qu'on sème le crew là. Bien sûr c'est pour rigoler, hein. je vous esquive pas les gars. Mais je sais qu'il y en a là, regardez, il y a des explosions déjà. Wouah, hop. Elle est déjà abîmée. À peine sortie. Go. On va essayer de faire au mieux. Et voilà, plus 100 000 dollars. Regardez en bas à droite, j'ai pas trop perdu. Hein. Oh, c'est dommage ça.
Deuxième, Banshee 900RR, et là c'est Atokim qui vient avec la T20. C'est fait. Et la toute dernière, c'est Yo-Yo qui arrive. Il est là, c'est la 811. Et voilà. 336 000 dollars, bah ça va, hein, franchement. Je m'attendais à vraiment pire. Je m'attendais à une voiture pétée même. Merci les gars, c'est sympa quand même. À la base c'était vraiment pour rigoler, mais on a vraiment réussi la vente, donc merci. Là ça va mieux, regardez. Là j'aime bien. On est posté tranquillement en attente, mais personne, voilà quoi. Et puis de toute façon on est en montagne. Ça évite d'avoir des problèmes avec la police et qu'il y ait trop de bordel. En montagne ça va. Jolie voiture, Tough Bean. Ok les gars. Alors, on va faire une vente. J'ai proposé à Louison et à Tokim de faire une vente de leur véhicule. C'est comme c'était ceux qui étaient dans mon équipe juste avant. Et qui m'avaient dit une fois qu'ils avaient des ventes de véhicules à faire. Donc voilà, je m'en suis souvenu. Louison n'a pas fini ses collections. Et à Tokim, il a accepté. Malgré les risques de la session bordélique. Bon, donc on va tester. J'espère qu'on va réussir à peu près comme la mienne. Et on finira par ça du coup. On va pas continuer de traîner dans la session, d'attendre. Parce que vraiment, c'est trop le bordel. Il y a beaucoup de gars qui sont déconnectés parce qu'ils en avaient marre. Ça devient plus trop un plaisir de me rejoindre en fait dans les parties parce que... Bah, il y en a trop qui font n'importe quoi et c'est vraiment dommage. Bref, je ferai un point là-dessus en fin de vidéo. En attendant, on va se concentrer sur sa vente. Il a lancé, j'ai une ETR1. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas conduit une. Une voiture de déglingo, voilà, j'ai terminé, j'étais le dernier. On finit la vidéo avec ça. Allez, on trace dès le début, on n'a pas le time. Go! Wow, j'ai failli me prendre une voiture déjà, un gava. C'est parti. Elle flash hein, dans la nuit, ma voiture, quand même. Comment je l'ai faite? Ok. Magnifique, j'ai fait aucun toucher. Je suis content de moi là. Il reste plus qu'une voiture. C'est Yo-Yo qui arrive. Quoi cette voiture? Matteo, il a une voiture. Ah bah oui, c'était celle qu'il devait vendre. Oh, on lui a gêné le passage les gars. C'était chiant mais je l'ai même pas vu. Et la dernière voiture. C'est une voiture classique, c'est une vintage là, c'est laquelle déjà? C'est pas la coquette classique, un truc, je sais plus. 398 000, ok, c'est cool. Je pense que ça va. Bon voilà les gars, on s'arrête là. Donc, pour commencer, on va remercier tout le monde. Jerem, Matteo, Tovbin, Red Game, Nat, Zouzou, Jiaz, Sacha, Louison, Spartiate, Atokim, Super Lançois, Yo-Yo, GTA... Et bien sûr, tous ceux qui étaient là avant, on était vraiment beaucoup ce soir, mais vraiment beaucoup. Donc on peut dire que l'armée s'agrandit, c'est sûr, ça fait plaisir. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vraiment, il faut juste... Je vous en veux pas, hein, les gars, vraiment. C'est super cool de jouer avec vous. Mais juste une petite chose qu'il faut vraiment faire attention, il faut respecter ça. C'est le mercredi soir, c'est aide abonné. Ça veut dire que il faut pas foutre le bordel, il faut rester calme. Regardez, vous voyez, je suis en train de vous expliquer ça. Je me fais tuer par des gars du crew. Il faut vraiment vous calmer, les gars. Restez tranquille un peu. Parce que tout ce que vous faites, c'est gâcher les aides et tout simplement l'organisation.
des autres membres en fait. Ceux qui veulent vendre, ça fout trop le bordel. Et je peux même pas organiser parce que je suis tout le temps en train de me faire taper ou tuer. Je peux rien organiser du tout. Donc voilà, faut vraiment respecter ça. Au moins le mercredi soir, les gars, calmez-vous, restez tranquilles. Arrêtez de tuer, tirer tout le monde, attirer la police, de tout défoncer avec vos véhicules, de m'écraser. Tout ça, faut arrêter. C'est vraiment important pour l'aide abonnée parce que moi, sinon, l'aide abonnée, je vais devoir l'arrêter cette série. Et vous allez pénaliser des gens qui veulent juste de l'aide, juste avec vos conneries en fait. Donc c'est vraiment important. Voilà, sinon, c'est tout ce que j'avais à dire pour les Defenders. Vous pouvez foutre le bordel que vous voulez tant que vous vous tuez pas entre vous. Voilà. Les autres jours, c'est des activités, donc il y a des sessions privées pour ça, donc voilà. C'est vraiment le mercredi soir, c'est compliqué, vraiment compliqué. Ce soir, c'était une des ZAVO les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc voilà, c'est tout, vraiment respectez ça, c'est important. Et voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Merci encore. Faites attention à ce que vous faites. Et voilà. Salut les gars. Sors les mœurs, c'est la guerre, narval t'es dans la mer. J'ai pas le bras long, mais j'ai tenir un loup-guerre et localiser ta mère. Obligé de tirer, je peux pas laisser le matos.